ärgerlich. Oh. Schengeli sitzt noch weiter vor, der hat keinen Platz wieder. Sitzt ein bisschen wieder vor. So, voilà, schon gut. Der fährt ja schon rum, wenn man fährt. Ah, ja. Vous connaissez bien les gitans? Ah, je connais très bien les gitans, oui. Et on travaille au couteau chez les gitans? Ah, au couteau, uniquement tout au couteau. J'ai pas un couteau ici, mais j'ai un couteau gitan, je travaille avec aussi. Je fais les manches. Où est-ce qu'il est le manche que j'ai fait? Je vais le chercher. Le manche que j'ai fait moi-même. Le manche de violon que j'ai fait, Simon. Comment ça se passe chez les gitans quand on travaille avec eux? Ben, on travaille. C'est difficile à approcher, peut-être? Non, pas du tout. Moi, je rentre, on dit « là, tu es », on dit « bonjour ». Et puis des fois on s'embrasse quand on ne s'est pas vu longtemps. On ne boit pas de verre, rien, on commence, on montre les violons. Voilà du travail que j'ai fait, voyez. C'est le premier que j'ai taillé, mais enfin, ce n'est pas un échec directement, mais le moindre mauvais couteau donné, c'est mort. Mais ce n'est pas mort, parce qu'on remplace encore un morceau de bois dedans. On réussit encore ça. Rien. C'est difficile. C'est un art, évidemment. Mettez Nicolas à l'affaire. Alors, vous avez trouvé tous ces violons où, par exemple, le premier? Le premier, je l'ai acheté contre une guitare, c'est celui-là, le Gusetto. Chez Monsieur Nicolas. Ça date de quelle époque, ça? C'est très ancien. 1670. Et par rapport au Stradivarius? Ben, par rapport au Stradivarius, Stradivarius a commencé, a vécu de 1643 à 1737. Est-ce que les gens vous croient quand vous dites que c'est si ancien? Pourquoi qu'ils voudraient me croire? Parce qu'il y a des musées. Vous demandez la démonstration. Excusez-moi, pourquoi? Comment vous avez vu que c'était si ancien, quoi? J'ai vu que c'était si ancien parce que par la forme, par le bois, par le dos fait d'un seul morceau, vous voyez, par la finesse qu'il a, et puis par tout ce travail, vous voyez, ça, c'est si fin, ça. Regardez voir cette petite marqueterie qui est là-dessus. C'est presque une sorcellerie pour arriver à faire ça. J'ai oublié quelque chose. Parce que là, j'ai oublié en premier un travail commencé par monsieur Lafertin, que moi je continuerai. Hein. C'est un violon que j'ai acheté. Là, son travail, c'est une rénovation d'un Borelli. Or, moi, ce Borelli, je le terminerai. Il sera fini, verni, tout, n'est-ce pas?
Quand vous voyez ces violons, bien sûr, vous pensez beaucoup à votre père. Ah oui, monsieur, beaucoup. Et votre père en ce moment est malade et je suppose que ça lui ferait très plaisir de voir ces violons. Ah ça, oui. Alors, comment travaille-t-il puisqu'il est capable, lui, de réparer les violons qui servent d'ailleurs à la famille pour la musique? Ça, je pourrais vous dire, c'est père en fils, ça, quoi, le violon. Et puis, s'il y travaille, c'est au couteau, quoi. Et ça s'apprend comment? Mais justement, je vous dis, c'est père en fils, quoi, qui les apprend. C'est une chose qu'on se transmet dans la famille. Oui. C'est un don de famille, quoi. Est-ce que ça sert beaucoup de savoir jouer du violon pour le réparer? Ça sert... Ça, c'est obligé, quoi. Il faut avoir de l'oreille. Il faut avoir de l'oreille pour commencer, oui. Votre ami Thomas, il est venu ici pour essayer de réparer des violons. Qui de qui vous voulez parler? Thomas. Thomas, oui. Enfin, il a ramené quelqu'un violent pour que mon père les répare, oui. Ce n'est pas un gitan, lui. Enfin, non, ils aiment bien les gitans. Ils aiment bien les gitans. Ils les aiment bien, oui. Alors, les gitans sont prêts à lui donner quelques petits ouais. Traits. Et puis, on l'accepte comme un gitan aussi. C'est vrai? Si, c'est vrai. Et c'est possible d'accepter un gadjo, c'est-à-dire un étranger, comme un gitan? Oui, s'il a le cœur sincère, et puis vraiment s'il a le cœur sincère, et puis il poursuit la figure, ben on l'aime comme un gitan. Et alors on est prêt à lui livrer quelques petits secrets. Ah, ça c'est vrai, oui. Alors voilà, le fameux Stradivarius, Antonio Stradivarius. Et on dirait c'est un Amati, parce que le Stradivari, il a le vernis beaucoup plus rouge. C'est une affaire entendue. Mais rien que cette ressemblance avec le Busetto. C'est Busetto qui n'est ni plus ni moins l'ancêtre, qui était même presque un maître à Amati. Busetto a appris à Amati. Alors si on enlève les quatre coins, voyez ce qu'on arrive, ce que nous arriverons à voir. Voilà.